up low. Seen your pretty soon as you came in that door. Oh oui, du hors de toi, oh oui, putain, pas de jetpack, pas d'exo et toute cette merde, ah putain, ah oui, c'est bon, ah, allez, on voit le commentary. Hey, yo, Peace Magazine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscur Clan. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite news sur Black Ops 3 qui va parler d'une nouvelle arme qui ferait donc son apparition dans le mode zombie, plus précisément dans le DLC 2 surnommé Eclipse de la map Zetsubo Noshima. Oui, comme tu as dû l'apercevoir avec le fond du gameplay, oui, ça serait donc la PPSH et je vous affiche deux petits screens à l'écran que vous pouvez apercevoir à cet écrit ici précisément SMG tiré du bas PPSH. Donc la PPSH, comme je vous l'ai dit et que nous retrouvons dans ce petit fond de gameplay, est une arme et peut-être la plus populaire de Call of Duty World at War, connue pour avoir une très forte cadence. Je trouve ça quand même assez dommage qu'elle ne sortira donc pas en multijoueur, une bonne petite PPSH bien remasterisée comme nous avons retrouvé avec la MX 40. Et franchement, qui n'a jamais rêvé d'améliorer les du pack-a-punch, une petite PPSH qui deviendrait bien ciblée au lieu qu'elle soit tout fat, toute laide et toute rouillée. En tout cas, j'espère qu'elle fera son petit retour sur Black Ops 3, que ce soit en mode zombie ou en mode online. Mais franchement, si elle sort en multijoueur, ça serait tout simplement énorme, car au lieu de sortir des vieux pieds de biche de merde qui savent totalement rien, et bien Treyarch sortait de vraies armes. Surtout, interagissez en commentaire avec moi, dites c'est un fake ou non, et votre petit avis sur ce petit retour de la PPSH. Et moi, je vous dis à la prochaine, et ciao, bye, peace.